Bonsoir à tous, c'est Lionheart et on est ensemble sur Dokkan Battle pour quelques heures de farm. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi ça a été, hein, on va dire ça a été, je suis claqué mais ça a été. Alors salut Balan, salut Fat Chocobo, salut Kubi, salut les gars. Toujours fidèle au poste, c'est cool. Je viens de faire l'event à Pion, donc j'ai claqué sa flûte à la con là. Non, ça a été. J'ai fini le dossier, il devait être 5h30 du mat. Il devait être 5h30 du matin, j'ai dormi 1h30 quoi. J'ai dormi 1h30, en plus je suis parti, il y a eu un putain d'orage à la con toute la nuit en plus. 2-3 coupures de courant, bah c'était cool quoi, c'était cool. J'ai passé une superbe nuit. Mais sinon j'ai rempli le dossier dans les temps et le boulot était fait, donc ils m'ont pas fait chier. Donc aujourd'hui on continue le farm tranquillou. On fait tout journalier aussi. Alors la quête 3 fois. Ensuite il faut faire l'événement d'Okan 33 fois 72%. Et je pense que c'est tout. Ah, ça j'ai pas envie de le faire. Honnêtement j'ai pas envie de le faire. Donc on va fermer le tapion. Enfin ouais, on va fermer le tapion et puis et puis faire les trucs journaliers quoi. Salut Ayaté. Dites-moi si la musique est pas trop forte, parce que je l'avais mis un peu forte je crois. Non, ça a l'air d'aller. Voilà. On va mettre comme ça. Donc 3 fois la quête hein, comme tous les jours. Et ensuite Ah c'était nickel. D'accord. Voilà. C'est revenu pareil hein. J'ai bien bossé aujourd'hui. 567 médailles au couille, GG Yaté. Salut Gapfoc. Comment vas-tu Gabi? Alors allez on y va. Alors H.com. Bah ça va tranquillou merci. On est en mode farming hein, tranquillou. Petit farm journalier en attendant que sur Dokkan il y ait des trucs intéressants à faire. Chose qui est pas près d'arriver malheureusement. C'est la musique de quoi ça? Bah ça c'est la musique de Tapion. C'est la musique de Tapion, jouée version rock, donc à la guitare. Pam 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 pam. Bah limite dans l'OAV il y a quasiment que ça que je retiens, puisque tout le reste même la transformation et ses trois de Goku je la trouve pas badass dans cet animé quoi. Enfin, dans cet OAV. Donc ouais il y a cet air là que je retiens. Après le reste pour moi c'est assez après c'est pour moi c'est personnel. C'est mes goûts personnels les gars, ça n'engage en rien la qualité du truc hein. Non c'est même pas l'épée de Trunks les gars. Je t'invite à aller voir la vidéo de du chef Otaku et tu verras que c'est pas l'épée de Trunks. Avec des arguments machin, il y a là que arguments que je saurais pas te donner là actuellement hein, donc,
Non, c'est pas l'épée de Trunks, très cher à Yaté. Mais moi aussi, à la base, quand, la première fois que j'ai vu l'OAV, je me suis dit, tiens, c'est l'épée de Trunks. Et en fait, non, pas du tout. Mais on peut penser que c'est de là que Trunks a un kiff. Ouais, certainement. Hein. Peut-être pour ça que Trunks a un kiff pour les épées. Hein. Mais c'était récurrent les armes dans... C'était récurrent les armes au début de Dragon Ball, par exemple. Yamcha avait ses épées, Goku avait son bâton magique. C'était pas... voilà, moi qui ai des armes dans Dragon Ball, ça me dérange absolument pas. D'ailleurs, dans tout Dragon Ball, il y a beaucoup d'armes, hein. Que ce soit Chichi avec sa lame, le ruban rouge avec toutes leurs armes, etc. etc. Salut Amin et Chihuahua, bah je vais farmer farm journalier plus tapion. Donc je vais faire les trucs de farm basique et donc les trois runs machin Bah ouais bâton magique Valen. Ouais, enfin, c'est Niobo, moi j'ai jamais appelé Niobo, hein. Moi j'ai pas vu Dragon Ball à 35 ans, hein. Je l'ai vu, j'avais 4 ans, 4-5 ans, donc c'était bâton magique, hein, pour moi. Comme Captain Tsubasa, pour moi il s'appelle pas Captain Tsubasa, il s'appelle Olivier Tom, c'est, voilà, c'est bien, les gars. Bruce Harper, c'est Bruce Harper, Mark Landers, c'est Mark Landers. Hein. Et je vous emmerde. Moi tout ça je l'ai vu il y a une trentaine d'années hein. Laisse les 2000 parler Ayaté. Pourtant Banane c'est loin d'être à 2000 hein. Salut Twarg. Je sais pas si toi aussi mais moi j'ai un taux de drop dégueulasse. Ça dépend, j'ai eu 5 ou 6 runs sans rien avoir. Et d'un seul coup 3 ou 4 cartes d'un coup. 5 ou 6 runs sans rien avoir et 3 ou 4 cartes d'un coup. C'est vraiment... il est bizarre ce taux de drop. Il est vraiment chelou ce taux de drop. Ok, tu dois dire rayon magique au lieu de Kamehameha. Bah non, parce que... rayon magique, il dit dans 4, 5, 6 épisodes mélangé avec du Kamehameha. Et ensuite, après, c'est que du Kamehameha. Donc... De ce côté-là, non, c'est pas bon ce que tu dis. Ils le disent plusieurs fois, rayon magique, dans un épisode, et après ça part dans du... Ils étaient encore dans les couilles de leur père alors que je regardais Dragon Ball. Ils étaient même pas encore une lueur lubrique dans l'œil de leur père que je regardais Dragon Ball, les gars. J'ai dit pendant très longtemps Tortue Géniale et Kame Sennin. Master Roshi, je l'ai jamais dit. Master Roshi, j'ai jamais dit. Par contre, Tortue Géniale et Kame Sennin, je l'ai dit pendant très longtemps. Mais j'ai jamais dit Master Roshi. Hein. Kame Sennin, parce que déjà à notre époque, t'avais la Kame House. T'avais regardé Baleine. Kinto 1, j'ai appris qu'il s'appelait Kinto 1 l'année dernière, hein, donc je vais pas faire le. Hein. Et Niobo, bah tu me l'apprends aujourd'hui, hein, donc tu vois. Non mais moi je suis pas un puriste de la VOST, hein. Moi la VOST me casse les couilles, donc moi je préfère être honnête aussi avec vous, hein. Je m'en bats les couilles de la VOST.
Non, moi je vais te dire un truc, Ananime ne peut pas me décevoir profondément. Il y a d'autres choses dans la vie qui sont bien plus casse-couilles que ça. Moi je me suis dit, tiens, le nuage magique a un nom bizarre. Ok, pourquoi pas. Et puis c'est tout, hein. Ça m'a pas fait un deuxième trou du cul. Et puis ça ne m'a pas changé ma vie de savoir que Tant qu'il est génial s'appelait Kabessénine. Ou alors que Krilin s'appelait Kuriline. Osef, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles avec une pelle à tarte, comme mon ami Kubi dit. Moi je vois, je kiffe l'épisode ou je kiffe pas l'épisode. Hein, je vais pas me casser les couilles pendant 10 ans à faire des trucs, je sais pas quoi là. Coucou Ryan! Surtout que Niobo, c'est une référence au voyage vers l'Occident, oui. Bah, Krilin et Kuriline, c'est pas pareil. Bah, je suis désolé, Ayate. Moi, j'ai toujours appelé Piccolo, je l'ai toujours appelé Piccolo. C'est. Voilà quoi. C'est pas un souci quoi. Après c'est peut-être mes origines italiennes qui font que Petit Cœur et Piccolo, voilà. Ça me choque pas en fait. Enfin bref. D'ailleurs, allez voir la vidéo de Random Watcher sur les VF et les VO. Random Watcher, c'est un youtubeur hein, qui vulgarise pas mal. Allez voir sa vidéo sur les. Sur la VF, VO et ça devrait vous faire marrer. Enfin, moi, ça m'a fait marrer. Parce que je me suis bien retrouvé dans la vidéo en fait. Donc. Bonsoir, Will Will. Comment vas-tu? Ça. Cool. Bon, je crois que j'ai fait mes 3 runs hein, depuis le temps. On va peut-être même faire un trop. Alors c'est bon. J'ai fait pile poil mes 3 runs. D'ailleurs, un jour j'aimerais bien lire Voyage vers l'Occident. Je sais même pas si vaut le coup que je le fasse quoi. J'ai déjà 100%. C'est pas pour le peu d'XP que ça va me donner. Demain donc c'est toujours le même éditeur. C'est... Ouais t'inquiète Akubi, t'inquiète. Voyage vers l'Occident la version avec la grève de la SNCF du sang. Pas mal Will Will. Mais la SNCF n'est jamais en grève. C'est pas vrai. C'est une légende urbaine, ça. C'est Goku là, il est pas mal. Là. J'aimerais bien avoir celui-là. Hey Shiryu, on va assister à un medley de différents morceaux de Senseiya. Mais je te préviens, ce sera pas comme d'habitude avec un orchestre symphonique et une nénette qui fait des la-la-la-la. Là, ce sera bien plus hard et métallisant. Oh, ne t'en fais pas, mon ami. J'ai moi-même quelques affinités pour ces musiques modernes. Ouais, non, je fais pas la pente. Tel que le jazz ou le boogie-woogie. La vache, ça ne sert à rien. Enfin, pour moi, ça ne sert à rien. Allez, laisse 12 twists, comme disent les jeunes. Tout,
toute façon, pour être en grève, faut déjà bosser. Badadam. Je sais qu'il y a quelques cheminots qui m'écoutent et qui regardent le live en rediff. Salut Laurent et salut Fred. Bon courage les gars. Merci Ryan pour le host. Par contre la pause café c'est pas 3 heures. Non, ils font partie des cheminots qui bossent, enfin des mecs qui travaillent à la NCPS, qui bossent comme des dingues. Qui voit la famille une fois tous les deux week-ends et qui se tape des putains d'horaires de malade. Et je les connais hein, donc personnellement, je sais qu'ils bossent comme des chiens et qu'ils sont traités de privilégiés, ça me casse un peu les couilles. Parlons de chien, voilà le retour des clubs, les clubs. Ah, je me ferais bien un petit 7 Day to Die après le live, tiens. C'est tombé fou. Kame Senil, ouais, bon, allez faire quand même. Bon, on est lancé, on est sur la bonne page. Je vais pas me casser les couilles à faire une équipe, mais tiens, je vais prendre ça, il y en aura une. On va partir en team magie. Donc, il y en aura deux. Il repop quand l'event d'Okan Vegetas J4 tous les jours des AJ. Je t'invite à regarder. Tes ordres pour savoir dans quel ordre ils sont. Agis ça va être le lundi je crois. Et le jour des super, donc dimanche. Il devrait repop le lundi et le dimanche, logiquement. Si je ne m'abuse. Va voir tes orbes. Et en fait, c'est dans l'ordre qui sont rangés, c'est les jours de la semaine. Et tu rajoutes à ça le dimanche qui est pour les super et le samedi qui est pour les extrêmes. Donc le samedi t'as tous les extrêmes et le dimanche t'as tous les super en event. Mis à part certains events qui disparaissent de temps en temps. Il y a peu de gens qui le connaissent, hein. Ayaté. Il y a peu de gens qui le connaissent. Moi, c'est pour ça que moi, j'ai pas besoin de connaître les jours. Tu vois, j'ai juste à aller regarder mon férié et me dire, tiens, mais quel jour aujourd'hui, tu vois.
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Vous voyez, hein, lundi AJ, aujourd'hui Tech, demain Int, jeudi puissance et le vendredi c'est endurance, voilà. Les sphères bizarres en bas, c'est ça c'est le kit Goku et ça c'est la bulle enfant. Voilà. Donc c'est des sphères que vous aurez quand vous ferez les événements. Les personnages, on peut les mettre à 100% gratuitement en fait. Hein, je vais vous les montrer. Hein. Donc on a le kit Goku Junior Intelligence, qui est une très bonne carte, un bon petit cogneur gratuit. Donc on a le kit Goku, hein, vous voyez, hein, qui est très très bien placé. Là j'ai mis par attaque, hein. J'ai mis par attaque, il a quand même 10 000 d'attaque le kit Goku. Donc vous pouvez l'avoir gratuitement. Il a des stats pas dégueulasses à 100%. C'est un cogneur, hein. C'est un petit cogneur qui claque des petits millions assez facilement. Donc vous aurez l'arbre gratuitement à mettre à 100%. Et à côté de ça, on a la Bulma enfant. Qui a les meilleurs tanks gratuits du jeu, et qui en plus régène, qui en plus esquive, et qui en plus meilleur voit les patates de l'espace, hein, en crit. Donc très bon perso également. C'est un tank off tank qui fonctionne très très bien. D'ailleurs indispensable, hein, dans la team tech free to play, les gars. Très bon perso également. J'ai fait le boss rush avec la team tech free to play, hein, donc très bonne team. Alors du coup il nous reste à faire quoi? Mise à jour demain, je crois. Voilà, mise à jour demain matin. Qu'est-ce que je voulais regarder ? Oui, donc les mises à jour de sécurité, c'était bien sur les données et pas sur le reste du jeu. Donc, c'est un peu OSEF, quoi. Personnellement je m'en bats les couilles, hein. Il y a des gens que ça inquiète, moi je m'en branle, mais vous imaginez pas à quel point. Je vais changer un peu le concept certainement du live une ou deux fois par semaine. Je pense faire des lives où vous me proposerez des boss à faire, des boss où vous galérez, et on cherchera une solution avec vos teams, avec vos persos. C'est-à-dire que tu me présentes ta box, tu me dis tiens je veux faire cet event là, j'ai ça comme personnage, comment on fait? Je pense qu'on pourrait faire ça en live, ça pourrait être sympa pour les gens qui galèrent un peu sur tel ou tel boss. Bon, des moments ce serait pas possible, hein, parce que j'ai pas forcément les cartes que vous avez tous, hein, mais on peut changer, remplacer, parler, tiens, toi t'as cette carte là, bah moi je vais mettre cette carte là, mais c'est quasiment la même. Et je pense que ça en live ça peut être sympa, parce qu'il y aura une vraie explication, des vraies questions en direct. Ce sera pas un tuto générique pour tout le monde, mais ça sera un truc un peu plus personnalisé. Donc je pensais faire ça en live à partir de la semaine prochaine, le temps que je mette ça en place.
Ouais, je pense que ça pourrait être cool, ouais. Je pense que ça pourrait être cool. Et puis le challenge, il peut être sympa. Le challenge peut être sympa. Et surtout que la semaine prochaine, il n'y a rien à farmer pour moi. À part Bardock, mais ça va être vite révélé, hein. Bardock, c'est pas le farm d'une vie, hein. C'est juste pour mettre pour Dokkan les petits Bardock agiles. Donc ça va pas être très très compliqué. Donc à ce moment-là, on essaierait de partir sur des strats. Voilà. Genre tel personnage peut aller à la place de celui-là, etc. etc. Bien sûr, hein, bon bah des fois je pourrais pas. Il y a des boss avec certaines box qui ne seront pas faisables. Hein, ça je vous le dis tout de suite. Les mecs qui sont level 10 avec 9 persos, ils ont très peu de chance qu'ils puissent aller faire un Goku Uli ou un truc comme ça. Ça me semble assez compliqué. Mais, malgré tout, ça peut en aider certains, donc pour moi l'idée est bonne. Je m'auto-valide mon idée. Alors, bon, on va aller faire ce premier level là, et puis ensuite on ira farmer. Simplement le Tapionx. Chérieux, je crois que j'ai perdu un tympan. Quoi? J'entends rien, je crois que j'ai perdu un tympan. Bon, est-ce qu'on a du tech? Parce qu'on a un petit Goku CJ3 qui se promène vite fait dans les bois. Je pense que non. On va partir avec. Ciao Fat. La grosse dinde. À la prochaine. On va partir avec lui, tant pis, c'est pas grave. Hop. Alors sur l'event de difficulté Super 2, n'oubliez pas de partir avec les avec ça, hein, avec les machins là. Sinon c'est pas possible, vous passerez pas. Avec 2 ça suffit pour faire baisser complètement la barre à 0 et l'empêcher d'esquiver comme un sangouin. Ah, forcément. Jean-Michel Vénère. Tribune, va bien et toi?
Pourquoi il me met cette rotation? Putain, il m'a niqué mes rotations, enfoiré. Donc là, bah, vous claquez deux machins, deux twin-twin, deux flux de tapions, comme pour le niveau supérieur. Vous voyez que la barre d'énergie, elle diminue de moitié. Vous en claquez un deuxième et la barre disparaît. Salut Kupo! La barre disparaît, donc il esquive toujours, mais il esquive beaucoup moins. Hein, il est moins casse-couille. On va lui fumer sa maman. Il est relou à esquiver comme ça. Bon, derrière, forcément, il nous met quasiment zéro dégâts. Hein, parce qu'une fois que Pequan a débuffé, on est bien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, notre ami Goku. Goku et l'air que les gens ne veulent pas farmer. On va voir ce qu'il va faire. Je ne répondrai pas, Balade. Je ne répondrai. Après, on va dire que je suis méchant. Après, on dit que je suis méchant. Et... What the fuck? What the fuck? Non, mais ça lui va bien en fait. Ça lui va bien. Voilà le Goku que personne ne veut farmer. Non, il sert à rien. C'est une carte gratuite qui tape à 2 millions. Et what the fuck? What the fuck? Je sais pas pourquoi je le follow encore, moi. Ah bah ça, c'est toi et toi-même, hein. Moi, je dirais jamais, non, mais ne regardez pas cette personne ou quoi. Chacun regarde ce qu'il veut, hein, même si les gens, parfois, regardent de la merde. Mais après ça, c'est purement... c'est purement... Comment dire, c'est totalement une question de goût. Hein. Bon, bah on a fait ça, il nous reste plus qu'à aller farmer notre ami Tapionx. Alors je sais plus du tout combien j'en ai. On va aller vérifier. Alors, Tapionx c'est un endurance, il me semble que c'est un endu. Hop, date. Ok, il est SP 6. Il est SP 6. Est-ce que j'ai déjà monté son arbre? Putain, j'ai plus, hein, j'ai plus la mémoire. Ouais, j'ai dû le faire. Ah, il me manque 4 doublons. 5 doublons. 5 doublons, et c'est bon. Même le sad panda, je vais le voir plus souvent. Moi, non, mais je sais pas. Moi, j'ai jamais mis les pieds sur la chaîne de... Ah si, quand on m'a demandé, ouais, donc, on va voir la vidéo, dis-moi ce que t'en penses. Mais sinon, je me suis jamais abonné, j'ai jamais aimé ce qu'il faisait, donc... Après, c'est une histoire de goût, hein, comme j'ai dit. C'est une histoire de goût personnel, et ça, franchement, je pense que ça regarde tout à chacun. Hein. Bon, bah, du coup, on va aller farmer vite fait. Sans se prendre la tête sur les leaders, on prend tous les leaders qui arrivent, hein. Ça ira plus vite. Je connais pas le Sad Panda, je le connais pas du tout. T'aimes pas sa gueule à vous? Ah non, mais j'ai rien contre la personne, hein, comme j'ai déjà dit. Hein. J'ai absolument rien contre la personne en lui-même. J'ai pas de soucis avec le personnage, j'aime pas. Si, il y a des choses que j'ai pas aimées, mais ça on a déjà discuté maintes et maintes fois en live, que ce soit pour Air Philippines ou que ce soit pour d'autres trucs, il y a plein de choses que j'ai pas aimées chez cette personne-là. Mais lui en tant que personne, non,
C'est pas mon pote et j'ai aucune antipathie non plus vers lui. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est neutre hein, pour moi. Par contre, j'aime pas son travail. Ça, c'est différent. Ouais, c'était injecter des DS dans le jeu de façon frauduleuse, en grosse quantité, en payant moins cher, mais en fraudant le jeu. Donc fraude qui était susceptible de faire bannir les comptes. Hein. D'ailleurs, il y a quand même pas mal de gens philippines qui se sont fait ban. Hein. Donc c'est le retour du bâton, hein, comme on dit. Salut Citorax. Mais ça c'était. Et quelqu'un qui avait une aussi grosse visibilité en face, quasiment la promotion. Non, on parlait de Crane, Citorax. Je suis sûr que je m'en fous, honnêtement. Alors, on posait la question pour Crane, que j'aime pas Crane. Donc, comme j'ai dit, j'ai rien contre la personne, mais j'aime pas ce qu'il a fait en tant que youtubeur d'Okan. Moi, par exemple, je vais voir ses vidéos sur le JDG. Quand il fait. Moi, le Crane me dérange absolument pas. Au contraire, comme j'ai déjà dit, ce qui fait que le JDG. J'aime bien, quoi. Je veux dire, tu vois, le jeu de rôle. Voilà, c'est super, mais. Mais moi, c'est pas question que je l'aime pas, je m'en fous, quoi. Je veux dire, je regarde pas ses vidéos, j'en parle pas, il reste là où il est. Je sais qu'il est, c'est quelqu'un qui a toujours fait plus de mal que de bien à Dokkan, donc je laisse ça dans ce coin. Je m'en occupe pas, je ne parle pas sur lui. Voilà. Moi sur YouTube, si les gens, j'aime pas les gens, je vais pas les voir. Hein, donc je m'en vais pas leur mettre de pouces rouges, je m'en vais pas regarder leurs vidéos. J'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps pour ça, quoi. Quand j'aime plus que faire un youtubeur ou quand j'aime pas, bah, je m'abonne pas. Et quand j'aime plus, je me désabonne. Mais j'emmerde personne, je fais pas de drama à la con. J'ai pas insulté le youtubeur parce qu'il fait de la merde. Enfin bref. Chacun fait ce qu'il veut. Si ça plaît à un public, c'est que ça plaît à un public, point barre. Après, il en faut pour tous. Hein. Il faut du contenu pour tout le monde. Non, Kubi. Mais par contre, il y en a beaucoup qui le font. Hein. Il y en a beaucoup qui le font, hein, ce genre de choses. C'est dingue, quoi. Des mecs qui se tapent des vidéos d'une heure, voire plus, alors qu'ils aiment pas. Qu'ils aiment pas la période. D'ailleurs, moi, on a eu le cas ici sur la chaîne. Un mec qui me disait, ouais, quand je regarde tes vidéos, je me fais chier. Et il était là du début à la fin du live. Même quand je faisais un live de 5 heures, il était là du début à la fin. Mais par contre, il se faisait chier quand il regardait mon live. Donc, on l'a vu en direct, hein. Logan nous l'a dit. Hein. Ah, je me fais chier à regarder tes lives, machin. Et tu nous gueules dessus. Bah. Tu fais chier à regarder mes lives, dégage, quoi, je veux dire, tu vois. Ah, bonne référence, Balan. Très bonne référence. Nous, on l'a vécu en direct sur le chat ici. Le mec dit ouais, je me fais chier quand je regarde tes lives. Bah, casse-toi. Mais sérieux, casse-toi, mec. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'attends? Mais barre-toi. Je comprends pas. C'est hallucinant, quoi. Surtout que je fais pas des vidéos de 3 minutes, quoi. C'est-à-dire quand je fais un live, c'est minimum 2 heures, quoi. C'est vrai qu'ils sont chiants tes lives. Enfin, ouais, non, mais moi je sais. Moi c'est la question que je me pose. Pourquoi vous restez?
Comme je vous ai expliqué, ce jour-là, d'ailleurs, je suis pas là pour vous faire des courbettes, je suis pas là pour. D'ailleurs, qui est plus personne, je m'en branle. Parce que de toute façon, à la base, c'est surtout pour moi que j'ai commencé à liver. Donc, au final, s'il y a que 4 personnes, 4 ou 400, c'est pareil, quoi. Pour moi. Et donc c'est pour ça que je fais ce que j'aime moi. C'est-à-dire que je fais pas du contenu qui vous plaît, je fais du contenu qui me plaît à moi en priorité, et ensuite si ça vous plaît tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? Je suis plus sur cette démarche là. Je fais des trucs comme j'aime les faire, et pas parce que telle ou telle personne aime, donc je vais faire ça. Par exemple, je suis du Monster Hunter, les gens aiment pas Monster Hunter, je continue à faire du Monster Hunter parce que le jeu me plaît et que j'aime ça. Je fais du CMD to die, même s'il y a que 10 personnes, c'est mon kiff. Là, je suis avec les potes en plus quand on fait du 7D, donc c'est mon kiff et ça restera comme ça. Et même si ça marche pas, même si ça fait pas de vues, ça fait moins de vues au can, je m'en bats les couilles quoi. Enfin, à un moment ou à un autre, c'est comme ça que je fonctionne. Donc si les gens y regardent, tant mieux. S'ils regardent pas, c'est pas grave. J'aurais, comme j'ai déjà dit, hein, ça me fera pas un deuxième trou du cul. Tiens, un vieux caillou. Petite médaille vieux caillou, c'est cool. J'espère que le bruit du ventilateur est pas trop fort les gars. Vite hein. Et il fait un peu moins chaud, au pire je peux le baisser ou le tourner. Salut pour les voulous. Les gars, ils mangent des boules. Même de base, elle est pas terrible la carte. Hein. Vraiment les stats assez faibles. Ouais. Le tapion est pas vraiment. Je comprends pas pourquoi les gens ont invoqué dessus. J'ai du mal à comprendre. Alors pour les LR peut-être, mais sinon en dehors de ça. L'intérêt est moindre. Oh ouais, forme géante, c'est tout ce qui est aux Zaru, donc c'est des cartes qui sont pas top, hein. Ça fait partie des pires cartes, des pires résistances du jeu en fait, cette catégorie.
À part le Kikoku SSJ 3, les autres, ils sont plutôt dégueulasses. Hein. Faut être réaliste. D'ailleurs, on va essayer de faire une petite Mozaru après. Je vais faire un petit Mozart. Du roi. Berk pas ça. Zozaru. Oh, Zozaru. Catégorie. Zozaru. Forme géante. Un peu extrême. Un peu. Ouais. Mon tino souffle fort. Ah, excusez-moi. Hop là, on va se bouger un peu. Là, c'est mieux. Alors, bon, on osa où on a le kit Goku SJ3. Comme j'ai dit, c'est la meilleure carte, je pense, hein, de la catégorie pour l'instant. Après le reste, que les cartes P1. Ah, tiens, une SP3. Ah, on a une SP. On a une SP10, on en a pas. Putain, elle pue de la gueule cette team. Ah ouais, c'est le pire leader ever. Hein. C'est le Thalès, c'est pas dégueu. Mais bon, 95% des nouveaux events, ils sont immunisés contre le stun. Donc, Osef. Osef, un peu. En plus, c'est peu rarement. Hein, donc, c'est 25% de chance seulement. On a le Bardock qui lui il bloque même pas l'aspect, tiens, du coup. Puis il peut se transformer deux fois en gorille. Bon, lui il se transforme tout le temps. Bah, après, si ça se transforme aux Zaru à chaque tour, pourquoi pas? Mais ça devient chiant. Tu pourrais faire une team avec les deux Saiyaman. Ouais, mais ils ont pas de catégorie, je crois. Enfin, faut regarder, attends. Merde, je suis parti un peu trop loin là. Hop. Alors, est-ce qu'ils ont une catégorie? Sinon, bon, on peut le faire dans une team Osef. Hein. CN de 100 mêlées. On peut les mettre en CN de 100 mêlées. Par contre, elles non. Ah oui. Elles rentrent dans une catégorie. Fille pleine de vie. Bah, en fait, le Saiyaman, tu peux le rentrer donc, dans la team sans mêlée, tu peux le rentrer dans la team Int. Même s'il est pas il est pas à fond, mais tu peux rentrer en team Int en sans mêlée. Pourquoi pas dans une team super si t'as un trou. Par contre, la elle, bah, à part dans la team fille pleine de vie, je ne vois pas trop de rentrer dans quoi. En team endurance, c'est pas difficile d'avoir mieux, je pense. Pas difficile, hein. Par exemple, en team endurance, si tu veux tu veux mieux, bah t'as lui quoi, hein, qui est bien meilleur. Mais elle rentre quand même dans la team free to play, donc pourquoi pas. Donc on a lui, hein, qui du coup est farmable, il rentre dans la team free to play également. On peut avoir une team de debuffer, on peut avoir une team de debuffer. Lui il fait quoi? Il fait juste augmenter l'attaque. On peut avoir une team de debuffer. Ça peut être peut-être sympa. On va voir ce qu'on peut faire en free to play endurance par exemple. Tout changer. Tout retirer. Alors, un leader endurance.
Alors, qui plus 2 attaque plus 30, non. Non plus. On va partir sur le rendu. Hop. Alors, une free to play endurance. Je pense que sur le leader, on va garder le Nappa. Hein. On va garder le Nappa en leader. Il est gratuit. Hein. Qui plus 3, PV, attaque, défense, plus. Plus 70%. Donc on part sur du Nappa. Ensuite, on met hop ces trois-là. En free to play, on a le Goku SSJ 3. Hop. Là, c'est de l'invoque. Là, c'est de l'invoque. On a vu. On pourrait faire une team free to play de cette façon. On pourrait faire une free to play comme ça. Non, c'est le Nappa, de chez Baba. Donc il a les mêmes stats qu'un God tier, hein. Enfin les mêmes stats, le même leader, passif leader qu'un God tier. Qui plus 3, PV, attaque, défense, 70% pour le type endurance. On a également un qui plus 2 en passif. Hein. Tiens, on va aller l'essayer la team. On va aller essayer la team. Ah, par contre, trouver un ami leader en endurance, ça va être compliqué. Trouver un ami leader en endurance, ça risque d'être compliqué. Ouais, ils sont bons, hein. Les leaders free to play sont vraiment pas dégueux. Moi, je les aime bien. Alors, un ami leader endurance qui soit. C'est une majorité de super. Alors là, c'est pour sauver l'univers. Bon, on va prendre les 50%. Ah bah si t'en as pas, tu peux le mettre. Ou alors Broly. Un Nappa ou un Broly, je prends. Bonsoir, salut Black, comment tu vas? Ah, vas-y, tu peux mettre le Nappa du coup alors. On va partir sur ça. Ah, tu peux mettre le Broly plutôt. Mais je vous conseille de les prendre quand même, hein, les cartes free to play de chez Baba. Ça peut vraiment dépanner. Ça peut vraiment te dépanner sur un event. Quand t'as vraiment un trou dans une méta. Ça va tranquillou. Plus refresh, hop. Non mais j'ai pas besoin de doublon, Balan. C'est juste pour voir le leader, juste pour voir à combien les persos ils tapent en free to play quoi. C'est tout. Ils servent, bien sûr qu'ils serviront pour le battlefield. Bon, après le battle, alors je redis encore une fois, le battlefield dans l'état actuel des choses, il est beaucoup moins intéressant que le battlefield de base. Hein. Donc faut pas s'attendre à avoir besoin de X milliers de cartes non plus. Hein. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Non, j'ai pas invoqué sur ta pion, Black. Et oui, je pack TDS. J'ai pas invoqué sur ta pion, j'ai pas invoqué sur Goku UI. J'ai pas invoqué sur le portail d'avant non plus. Je ferai seulement une seule multi. Sur le portail SJ3, histoire 2, hein, tenter sa chance, mais pas plus. Et oui, je pack.
Mais Tapion il m'intéressait pas hein, de toute façon je savais que j'aurais pas eu de LR donc ça m'intéressait pas de faire ça. Ouais non mais je suis d'accord avec toi hein Kupo, c'est un truc en plus à faire mais je veux dire au niveau de la mécanique de jeu ça ne change rien, c'est toujours la même chose quoi. Ça reste du boss basique, ils ont enlevé toute la partie intéressante. Moi ça m'a dégoûté hein. Moi ça m'a clairement dégoûté. Bon j'ai pas d'orbe hein, sur les cartes, sur celle-là. J'ai pas mis d'orbe. Mais ça part là dans le tour là. Normalement on devrait pas avoir de problème de ki hein, comme vous pouvez voir. On devrait pas avoir de soucis de ki avec ces cartes là. Ah non non mais. Les LR tombent comme des mouches. Bah va voir les vidéos des mecs qui ont claqué 3000 DS et qui n'ont pas eu le LR Black. Et non je ferai pas de multi sur Tapion, je déteste c'est de la merde. Non mais toi t'as eu 2 LR sur une multi. Voilà. Y'a des mecs qui ont mis. Y a des mecs qui ont mis 3000 DS et qui n'ont pas eu le. Qui n'ont pas eu un seul LR hein, donc Et avec la chance que j'ai moi, comme d'hab, hein, loul. Pam, 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 pam. Je sens si poisseux. Quand tu mets 800 DS et que t'as 0 SSR, tu prends comment toi? Sans DS, 0 SSR. Après ça, tu me dis si t'as de la chance ou pas. Bah, va voir la vidéo, Ayaté. Hein, c'est sur. C'est une vidéo qui date de décembre. Hein, donc. Je peux pas mentir, hein, tout est en live, hein. C'est du live, y a pas de montage. Donc là-dessus, je peux pas mentir. Hein. On peut partir avec elle, ça reste la même. T'as déjà perdu? Non, j'ai gagné. J'ai gagné, baleine. Bah non, je suis en train de farmer, je m'en fous les mains de canne, je suis en train de farmer le tapion. Je vais pas aller partir faire les mains de canne avec 151 000 PV, là, je le dis tout de suite. Et j'irai pas en team endurance sur un boss qui se la met en puissance pendant tout un tour. Ah, et même, j'en ai rien à foutre de tapion, donc je m'en branle quoi. Tra, c'est forceur quoi, de l'infini quoi. On revient hors détecteur hein. Donc on va se taper du tapion alors qu'on en voulait pas.
Non, non, mais moi j'ai une moyenne, j'ai une moyenne de 4. De... pour un leader intéressant, c'est dans les 700 DS. Pour une carte basique, bof, c'est dans les 400-500 DS. Donc, Non, non, moi je gaspille pas mes DS là-dessus, hein, franchement. Et ça sert à rien d'invoquer sur, sur un perso qui reviendra hors détecteur, vu que maintenant il y a sa garantie avec 95% de persos hors détecteur. Mais tapis, on va en manger. Hein, on veut tuer, en voilà. Donc, OZF, hein, on va pas se faire chier à invoquer là-dessus. Et les herbes, bah, si on doit en avoir, on en aura plus tard. Hein. Mais pour l'instant, je me focus, comme j'ai dit, hein, je fais un live à 2000 DS pour les 3 ans. 2000 DS et 800 euros, hein, donc j'ai pas de DS à gaspiller, les gars. Salut BDL. Non, ça fait pas partie des cartes qui rocks un Yaté. Il y a des cartes free to play qui rocks, hein, que ce soit les LR ou d'autres, hein, mais c'est pas le cas de ce tapion. C'est pas une carte que j'irais mettre à 100%. Ouais, c'est la première fois, ouais. Moi je pack depuis février, je crois. Ouais, ça doit être ça. En février, j'ai invoqué sur qui. J'ai mis 800 sur Goku 8. J'ai mis 700 sur Gohan sans mêlée. J'ai mis 700 sur. Non, 850 sur SV Endurance. Et après, je crois que c'est tout. Non, j'avais mis 400 aussi sur. J'avais mis 400 sur. Comment il s'appelle? Sur. Le Golden Ange que j'avais pas eu. Donc ouais, j'ai commencé à packer en février, mars, je crois. Sans prendre toutes les promos à chaque fois, hein, en gérant le truc, quoi. Pas d'info pour l'instant, je crois. Salut Johnny Zor, bah ça s'affiche à l'écran là. Je farm tapion. Oh ouais, c'est J3. Non, puis comme ça a l'air payant, je m'en bats la race en fait. Comme d'hab. De toute façon, un Mirai Gohan qui a ses deux bras, c'est de la merde. Perd tout le côté badass du Mirai Gohan.
Ah mais ouais, ça pue le fake quoi. J'ai des quêtes à durée limitée qui me demandent de faire plusieurs events de Cannes. J'ai passé plusieurs heures aujourd'hui à faire beaucoup de vie. Mais la quête n'a pas avancé, je capte pas. Il y a que quelques events d'Okan qui sont concernés à Yate. Les events d'Okan que je fais, les hein, par exemple. Mais tu peux le faire sur le premier level pour farmer le tapion. Hein. Ça fonctionne. Dernière branche de notre ami Tapionx. Putain, hey, Yate, tu fais chier, hein, tu m'as mis la chanson en tête. Hein. Bordel. Bon, il est débloqué. On ne mettra certainement jamais d'orbe. Mais au moins, c'est fait. Si un jour il a un second Okan, c'est fait. Il nous manque 3 exemplaires et on a terminé. Le kart est joli, mais sans plus, hein. Y a pas de, c'est pas extravagant. Hein. J'aime pas les cristaux derrière, je trouve ça un peu dégueulasse. Bon, après voilà, c'est Osef, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qui nous manque pour aller chercher le Kame Sennin ? Bon, on l'avait, le Kame Sennin. Hop ! Un vieux caillou de plus. Bon, bah ici, j'ai plus rien à farm. Tu fais chier. Bien sûr, seuls les gens qui connaissent Walking Dead peuvent comprendre, hein, mais bon. Moi, ça me fait toujours marrer. Une version de 10 heures, on est bien.
moins 1. Et vous savez que la dernière fois on a fait le con, j'avais laissé cette musique et je me suis endormi hein, avec la musique et elle a tourné pendant 10 heures. C'est la première fois que je finissais une vidéo de 10 heures sur YouTube. Je me suis réveillé et ces 2 heures j'ai continué à écouter. Sympa, c'est que depuis que bah, j'ai déjà dit hier, je crois, depuis que j'ai fait le ménage, je peux jouer un peu plus de team. Et c'est bien finalement que certains livres. Ah, tiens, au fait, sur le portail Mirai Gohan, donc il y a sur la Jap, le Vegeto Blue Tech est revenu. Donc tu vois, dans l'instant, j'ai bien fait de ne pas invoquer quand il était là. Il revient sur un portail un peu plus intéressant. Sur un portail sans Vegeto Blue d'ailleurs, et ça c'est intéressant pour moi, dans un portail avec des cartes que je n'ai pas. D'ailleurs, ce MND, quand tu montes la radio et que tu cherches la bonne fréquence, tu l'entends dans ce décode. Eh, ce serait, non, mais ce serait tellement classe! Un putain d'easter egg! D'ailleurs, j'irai faire un petit tour sur ce MND après. Hein. Mais j'ai faim. Mais il fait chaud, j'ai pas faim. Mais j'ai faim. Enfin bref, on verra. Faut que demain, si je finis tôt, faut que j'achète des fruits. Je crois qu'on peut monter des radios, ouais, mais je sais pas s'il y a de la... je sais pas s'il y a du son. Je crois que c'est tout décoratif, je crois. Là, pour le coup, j'aimerais bien être visionnaire et savoir ce qu'ils vont en faire le 7 Day to Die. Si un jour ils vont en faire un vrai jeu fini avec un story mode, si un jour ils vont finir le jeu, ce serait bien. Ça fait maintenant actuellement 6 ans qu'il est en développement quand même, c'est Seven Days to Die. Ça a commencé en 2013. Qu'est-ce qu'ils vont finir un jour? Je sais pas. Et ils travaillent toujours dessus puisqu'il y a une alpha qui. Il y a une alpha 17 qui devrait arriver. Qui est sûr arrive avant la fin de l'année. Et qui normalement devrait arriver en août. Donc c'est qu'ils continuent à bosser dessus, vu qu'ils vont rajouter des véhicules, ils vont rajouter des trucs avant la fin de l'année. Donc en fin de compte, on se positionne bien. On se positionne bien parce que ceux qui ont commencé il y a 2 ans, pendant un an et demi, il n'y a rien eu quoi. Ah ouais, il y a toujours les devs qui bossent dessus, etc. Mais
Alors à moins qu'ils ont un putain de projet ultra ambitieux quand même. Mais sinon je vois pas comment ils font en fait. Parce que les mecs ils prennent leur temps hein putain. Ils prennent leur temps les gars. Ouais, 6 ans pour un jeu, c'est même plus que long, parce que quand tu vois que pour faire un GTA, il faut en moyenne 4 ans, on sait même qu'il sera fini quand on aura 60 ans, à peu près. Allez, les petits views. Allez, on va se faire une petite partie, c'est venu tout d'ailleurs, les mecs. J'arrive pas trop tard, non il reste encore un petit 40 minutes Nightmare. Salut à toi. Ouais, on est dans la dernière ligne droite, hein, il me manque, je crois qu'il me manque une seule carte là, actuellement. Je l'ai vérifié, mais je crois qu'il m'en manque qu'une. Et puis il restera le Trunks, hein, j'ai toujours pas fini le petit Trunks. Le Trunks enfant, avec l'épée. Je sais pas s'il y a un éveil, s'il y a un local celui-là. Ah bah non, moi j'ai fini le tapion. Hop. Voilà, le tapion est terminé. Voilà le tapus. Non, c'est fait, baleine. J'ai ouvert juste avant le potentiel. Bon, une bonne chose de faite. Je sais pas quoi en faire de ces connards là. Je vais quand même en bloquer un. Je vais l'éveiller, je vais en foutre un autre dans le SP. Salut Riern. Ah c'est long hein. C'est long, le Nappa c'est un farm de l'infini. Donc normalement ce Gohan là devrait avoir un Dokkan. Logiquement, en toute logique. Ça va bien et toi? Exactement, arrêtez. Il a beaucoup, beaucoup trop de bras. non, celui-là, pas besoin de le monter. Celui-là, il est à fond. On s'en fout, on les joue pas. Bon, on va s'occuper de ce petit Trunks. Hop. Attends, je vais déjà l'entraîner. On va le mettre en SSR. Arrête de chialer, Trunks, putain.
La Saiyan, bordel. Je crée ta perche, je me crée des tartes dans la gueule. Ouais, non, mais Vegeta, c'est pas mon père, hein, mine de rien. Tu vois, regarde. Goku, il s'est barré, il a pas levé ses gosses. Mais ses gosses sont devenus plus ou moins les Saiyans. Plus ou moins. Par contre, Vegeta, il a élevé ses gosses et son fils devient Trunks GT. Hein ? Son fils devient Trunks GT quand même. Putain de merde, avec un bandana autour du cou. Gay. Est-ce que... Ah, il a un éveil. Le petit Trunks a un éveil. Bon, c'est parti. Ah bah, ça fera 4 QR. Faut aller chercher le trunk sur la 5 et les médailles sur la 3 et 4. Ah merde, j'ai trop de poules là. Il en faut 13. Allez, c'est parti. Tiens, un petit hop, un petit Gwen en DBS, on en parle. Bah, Gwen Ultimate, il est pas dégueu en soi. C'est juste qu'il est mal. Il est pas développé par les. Il est pas développé par les. Par les mangaka, mais sinon. Jean-Michel Esquive. Ah ouais, d'accord. En fait, on peut pas le toucher, quoi. C'est quoi cet événement de la con? Le meilleur Gohan restera celui de la saga Cell. Moi, j'aime beaucoup le Gohan Ultimate, moi. Moi, j'adore le Gohan Ultimate, hein. Donc, c'est le meilleur pour toi. Moi, je préfère de loin... Moi, j'aime bien dans la saga Boo parce qu'il est ultra arrogant, en fait. En plus, il y a des moments vraiment badass. Quand il est en Super Saiyan 2, enfin quand il se transforme en Super Saiyan 2, quand il est au tournoi, quand il se vénère, il est classe, quoi. Ah ouais, dans la saga Boo, je l'aime beaucoup, moi. Mais moi, de toute façon, dans c'est pour ça que une de mes cartes préférées, c'est le Gohan Ultimate, hein. Tout le temps que je le dis, hein. Mais ouais, il y a beaucoup de gens qui n'en parlent jamais, en fait, du Gohan Ultimate Saga Boo. Il y a plein, les gens n'en parlent jamais, alors que pour moi, c'est mon préféré. C'est 100% de drop le Trunks sur celui-là.
Ouais, c'est une version Deezer, c'est exprès pour toi, il y a tes spéciales dédicaces pour toi. Drop, merci Will. Mais c'est vraiment une version Deezer, les gars. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. Nos fake, hein, voilà le lien. Hop. Voilà le lien, c'est une version Deezer. Hein. Et là, on en est que à 23 minutes. Les mecs, putain, vous êtes vraiment des 23 minutes et vous êtes déjà au port de la mort. Please, c'est insupportable. Tuez-moi. Tuez-moi. Ah, je pense que Nightmare peu bête ne connaît pas. Si t'as pas compris, Nightmare Puppet, c'est que c'est une musique troll. Hein. C'est une musique pour troller, hein. C'est pas un truc. Cette musique, elle me donne envie de tuer des chatons. Bah, quand elle te donnera envie de sucer des chatons avant de les tuer, là on en reparlera. Mais pour l'instant, ça va quoi. J'ai juste envie de les tuer. Par contre, une fois qu'ils sont morts, tes chatons, tu peux les prêter, s'il te plaît. J'aime bien les animaux morts. Il y a aucun intérêt en fait, ils auraient pu te donner les 14 cartes d'un coup. Hein. C'est complètement con de faire perdre 140 ACT. Quand est-ce qu'ils auront compris sur Dokkan que ça sert à rien de faire ce genre d'event? Ils te donnent les 14 cartes et ferme ta gueule quoi, je veux dire, putain. MacDougall. Mais oui, Kobe. On est d'accord. Je vais penser à un truc, je vais couper parce que dans la rediff, toute cette partie là il n'y aura pas de son en fait. J'avais oublié le copyright. Ah
Ah, il y a un copyright sur cette merde, comme tu dis. Bien sûr. Voilà, je vous avais dit, je vous ferai mes DBS. Ah, bande de faibles. Elle pourrait au moins rapporter 100 000 zénis, parce que là, 30 000, c'est pas dégueulasse, mais... Elle pourrait au moins rapporter 100 000, quoi, que les trucs soient intéressants à farmer, tu vois. C'est dommage en soi, quand on y pense. Non, non, on l'attaque pas, Magic. On fait que prendre une spé, c'est tout. Et le taux, heureusement, le taux de drop est de 100%. Vous pouvez grinder allez, un ou deux objets sur la route, peut-être. Ça, ouais, c'est un niveau totalement OZEF. Je comprends pas pourquoi ils mettent ces genres de niveaux. Encore une fois, c'est complètement con. Par contre, il va falloir aller chercher 60 médailles. J'espère que le taux de drop, c'est pas une médaille par une médaille, parce que là, ça va être très long aussi. Malgré tout, j'ai toujours le réflexe de les mettre quand même pour qu'ils partent en spé, alors que ça sert absolument à rien. D'ailleurs, on va faire ça pour qu'ils partent pas en spé. Bah oui, j'ai le Goku LR, pourquoi Nightmare? Ça fait un an et demi que je l'ai, le Goku LR. Il est parti quand même en spé, ce con. C'est quoi le souci que le Goku LR? Il a même 100% mon Goku LR. J'étais dans les tout premiers joueurs qui avaient le LR, hein. Je l'ai fait en 24 heures donc et sans cheater. Hein. Non, il est SP20, il est SP20. Hein. C'est 1500 médailles que j'ai fait. Et je l'ai fait en 24 heures. Hein. Pareil pour le Freezer LR, hein, je l'ai fait en 24 heures également. D'ailleurs, le Trunks du futur. Puissance devrait être à 777 médailles. On va le savoir demain. On va le savoir demain sur la Jap. Logiquement, c'est un 777 médailles aussi. Et moi, ça me dérange pas. Hein, au contraire, ça me dérange absolument pas. C'est pas trop long pour moi. J'ai tous les LR gratuits à 100%. Hein. Une carte qui tape à 2 millions en crit gratuite, tu trouves ça pas worth it? Bah, chacun son avis, Magic. Hein. Moi, il est titulaire de ma team tech depuis que je l'ai, hein, donc voilà quoi. Salut New Wiz, bonsoir, peux-tu montrer ta liste de perso s'il te plaît? Ouais, je peux. Et tu en fait t'as jamais regardé mes lives, Magic, hein, apparemment.
suffit de le mettre à côté du Bardock, hein, et t'as plus de soucis de qui, t'as plus de soucis de rien. T'as plus de problème de lien, t'as plus aucun problème en fait. Ah, on en a droppé deux cette fois-ci, cool. Moi, mon LR, il n'y a aucun problème de lien. Hein. Tu joues à Google du Bardock et c'est chien et c'est fini. Hein. Qu'un cadenas. Bah voilà, t'as pas la bonne carte. En plus, c'est un énorme tanker. Hein, le Goku, il y a énormément de def. Donc, moi, j'ai fait le Battle Road avec. Hein. J'ai fait le Battle Road avec le Goku LR. Hein, donc, comme quoi. Hein, alors, 5 et 2, ouais. Donc, combien il en manque? Alors, 2 et 4, il en manque 6. Allez, encore 6 runs. Moins peut-être si... si on en chope à plus 2. Bardock Tech qui sera hors détecteur, hein. Vous aurez des chances de le choper. Vous aurez des chances de le choper à partir de bientôt. Hein. Bah non, à partir de là maintenant, sur les différents portails, maintenant que c'est sa garantie, vous pourrez choper le Bardock Tech. Donc sur les 3 ans, etc. etc. Voilà quoi. Voilà, une fois que les deux là sont réunis, c'est fini. Hein. Tu les gardes en rotation et c'est la fête, hein. Franchement. Là, tu sens vraiment que les persos-là, ils sont faits pour aller ensemble, en fait. Ils sont faits pour aller ensemble, et c'est comme ça, quoi. Voilà. Les 16J4, oula, bonne question. Viendront certainement, puisque maintenant les 16J4, ils sont dans la catégorie Saiyan de sang pur. Donc on les reverra certainement sur un event, sur un portail. Ils reviendront à un moment ou à un autre. Hein. Ils reviendront peut-être cet hiver, hein, je pense. D'ailleurs, tu vas pouvoir en prendre un avec la DS. Après, il faut l'acheter, bien sûr, la DS. Mais tu vas pouvoir en prendre un avec la DS violette. Tu pourras prendre la SCJ4 si tu veux. Donc, plus que 5. Plus que 5. C'est quoi la DS violette? En fait, à chaque fois qu'il y a un anniversaire ou un énorme event, t'as des DS de différentes couleurs. Donc je crois que t'as la rouge qui est offerte, il me semble, ou la bleue qui est offerte. Il y a une des deux DS, je crois que c'est la rouge qui est offerte, qui va te permettre de prendre un personnage gratuit. T'as la bleue qu'il faut acheter avec un pack. La DS violette, on ne connaît pas le prix, hein, sur la globale IAT. Magic. On n'a pas le prix de la DS violette sur la globale. J'ai un peu peur d'ailleurs du prix de la DS violette sur la globale. Je vous l'avoue.
Possiblement, il pourrait nous la sortir à 50 balles, quoi. Et à ce moment-là, c'est plus la même histoire. Hein. Bon, bien sûr, tu auras des DS avec, hein, mais quand même. C'est quand même beaucoup plus cher sur l'aglo. Hein. Donc, on va voir. Chez Baba, c'est chez Baba Yaté. D'ailleurs là il y a encore la DS bleue normalement. Enfin, tu peux encore voir ce que tu peux gagner avec la DS bleue. Même si elle est plus on peut plus lâcher je crois. Il n'y a plus que 5. Non 4. Avec la DS bleue, tu pouvais prendre les gouttes tiers, je crois. Je m'en rappelle plus, mais. Ouais, très bon perso. Hein. Je crois que c'est les gouttes tiers avec la bleue. Avec la rouge, c'est les. Avec la rouge, tu pouvais prendre Celtec, One Ultimate. Le freezer full power. Qui tu pouvais prendre encore? Pas Janemba, je pense pas. Bon, en tout cas, tu pouvais prendre les demi-godes, les demi-godes tiers, il me semble. Non mais ça c'est avec la bleue, ouais. C'est les 5 gouttes tiers basiques. Donc avec la rouge tu peux prendre les demi-godes. Alors il y a Gohan Ultimate, bah, c'est tous les persos qui passent ZTUR, hein. Donc t'as Gohan Ultimate. Ah t'as Goku CD 3 AJ. Goku CJ 3 AJ et je sais plus en puissance qui c'était. C'était quand? Bah ça revient plusieurs fois, hein. C'est revenu 2-3 fois déjà. Hein. À chaque fois qu'il y a des gros events, soit les anniversaires ou les grosses célébrations. Ça revient 2-3 fois par an à peu près.
Ouais, plus 7 viewers, vous avez kiffé Easy Street les gars. C'est pour ça que vous venez en masse. Je sais pas pourquoi je me fais chier à partir en stream, de toute façon je ne touche pas. Roi ! Oui, il t'appelle. Roi ! Ah, deux. Donc il n'en reste plus qu'une, je crois. Après, il faudra faire les médailles. Ensuite, on aura terminé tous les events, tous les persos. De l'event Tapion. 4 nouveaux persos dans la box. Bon bah pourquoi pas hein. Pourquoi pas on prend hein. Des persos farmables donc free to play. Le petit Trunks il pourra aller peut-être dans la team tech. C'est pas dégueu. On va le tester en tech free to play, voir ce que ça donne. Quand il sera fini. Pourquoi je m'acharne à partir en spé? Arrête ça. Voyons, Lyon. Bon, moi je n'en rate trop. Allez, on entraîne notre jeune ami. On en garde 4 hein, pour les. Qu'on devra Dokkan également pour les branches. Si un jour le perso a un autre Dokkan, ça nous permet d'avoir un perso qui a déjà les branches posées. Faut toujours faire ça, au moins vous êtes tranquille. Au moins vous êtes tranquille, c'est fait. On n'en parle plus. Hop. Deux. On aura le compte, hein, même intro. Les petits trunks qui peut monter, les petits trunks, je crois. Faut voir le nom qu'il a. Quoi son nom, notre jeune ami? Trunks petit. Ouais, du coup, on peut monter l'aspect des trunks petits avec ce trunks. Donc, vous pouvez en stocker quelques-uns hein, si vous voulez. Donc nous on va aller chercher les médailles pour le Dokkan. On va monter 4 en SSR de plus. Voilà comment je pratique, hein, voilà comment je procède pour toutes les cartes free to play. Je les monte, je leur mets les chemins. Si un jour ils ont un Dokkan, bah voilà. On peut aussi farmer le Grid Saiyaman pour monter le Grid Saiyaman de Baba si on n'a rien à faire. Je sais pas si on peut monter sa SP avec. Tu peux monter le Grid Saiyaman AJ avec ? Si oui, oui, c'est intéressant. On va tester. Hein. Le mien n'est pas encore fini, hein, mon Grid Saiyaman AJ d'ailleurs.
nouvelle ça. Ouais, ouais, on a 100% quand il est en UR. C'est nickel. 100% de chance quand il est UR. Ah bah je vais en monter 4-5 UR et puis et puis ce sera fait hein. Il est SP combien le mien? Il est SP 5. Je vais en mettre 5 UR et ça sera fait. Il sera 100%. Cool, cool. Et je vais terminer aussi, bah du coup je vais terminer mes autres grids Saiyaman. Je vais en profiter. Je vais faire le agi et le puissance hein, du coup. J'ai celui-là. Donc il m'en faudra 3, donc ça fait 5, 6, 7, 8. 8 persos. Celui-là est très bon en plus, hein, ce AJ. Un jour il aura un Dokkan. Je sens qu'un jour il aura un Dokkan. Diminue fortement l'attaque, très intéressant. Et je dois avoir un puissant souci que je dois monter, je crois. Hop. Il me semble que j'ai un puissance également. Grid Saiyaman puissance, ouais voilà, donc c'est un SSR celui-là, on va pas se faire chier, on va en monter 4 vite fait à l'arrache, donc on ira farmer les Grid Saiyaman, là il reste combien de temps, il reste 4-5 minutes de live, on fera demain, je vais pas claquer de la CT maintenant, je vais juste aller voir, alors l'attaque du dragon. C'est cool parce que les Grid Saiyaman ils sont tombés assez rapidement donc ça c'est cool. On va aller se faire par contre le 3. Hop, voir combien on trope de médailles par run. Ah merci de l'info pour le Grid Saiyaman, vous voyez je le savais pas. C'est cool. Allez, c'est parti. Bon, x2. Ça va. Il en faut quand même 40. Ça fait 20 runs quand même. Hein. Ça fait quand même 20 runs. Ça fait quand même pas mal à CT malgré tout. Bon, il restera 20 runs là-dessus. 20 runs certainement sur le Trunks. Ça fait 40 runs. 40 runs plus une quinzaine de runs, je pense. On aura encore quelques runs. On a encore un live dessus, je pense. Puis après, on passera à autre chose. Donc, demain, demain, les infos JAP. Donc, on aura. On va savoir comment se farm le Trunks normalement. Puis ensuite on verra ce qu'on va faire. Donc en tout cas merci de m'avoir suivi, c'était super sympa. On se retrouve demain à même heure hein, sur le live. Farmez bien, passez une bonne soirée. C'était Lionheart sur Dokkan Battle. Ciao ciao.